Mix, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 de ma série de Let's Play consacrée à Minecraft. Et on se retrouve aujourd'hui en compagnie de Jim. Salut Jim. Salut Bubix. Donc Jim va venir cohabiter avec moi sur mon serveur. À l'occasion d'ailleurs, nous avons pris un serveur Verygame. Du coup, pour héberger la partie sur un vrai serveur, puisque sur mon ordinateur personnel, on rencontrait quelques petites difficultés. Donc peut-être éventuellement par la suite, vous aurez un map viewer. Pour l'instant, ils sont en maintenance dessus, donc on ne sait pas. Ça sera la surprise. Donc, au programme aujourd'hui, bah, on va discuter pas mal avec Jim. Hein. On va voir ce qu'on va faire de cette saison, quelle sera son intervention, hein, plus ou moins. Et puis, bah, on va se retrouver surtout en jeu, on va se faire un peu d'architecture en fin d'épisode, puisqu'on va commencer à structurer un petit peu la zone ensemble. Voilà, donc on va lancer le jeu et on va se retrouver directement in-game. Bon, j'ai mis sur pause. Qu'on se retrouve en jeu. Et voici Jim. Bonjour à tous. Oh, il ressemble pas à un Mexicain. Hein. Oui, c'est vrai, je devrais peut-être changer de skin un jour, mais bon, je m'en fous. Avec la nano armure, alors on voit pas trop le skin. Ah, faudrait oui, que tu l'enlèves. Allez, je me mets à poil. Ah. Oh, je me retourne, j'ai pas envie de voir ça. Oh, il y a plein d'abeilles. Donc, voilà. Alors, Jim est parmi nous donc sur le petit serveur. Lui, il est à pied pour le moment. Hein, donc, ah, il est oui. Trop volé. Hop. Hein. Donc, Jim va commencer sa petite partie et son let's play par la même occasion donc sur ce serveur. Il va occuper la place qui est juste derrière. Donc, je vais m'envoler rapidement. Donc, qui est en cours de construction. Donc, ça va être toute cette zone là-bas entre les piliers. Et il va construire son petit village tranquillement. Donc, on verra au fur et à mesure des épisodes. On ira lui rendre visite. Il manque une dalle ici. On verra sa progression. Voilà, donc Jim est pas mal orienté magie, hein, dis-moi si je me trompe. Oui, il n'y a pas de problème. Je suis bien. Ouais, la magie, Tomcraft, essentiellement, parce que j'adore ce mode-là. Et on va voir qu'est-ce que ça donne. Et donc, bah, j'espère surtout que tu me formeras d'ailleurs. Hein. On n'en a pas parlé avant d'ailleurs. Je te Oui. prends un peu par surprise. Bah déjà, il Ouais, faudrait, parce que l'Ultimate, ça fait un petit moment que j'y ai pas rejoué. Et puis, il va falloir que je me remémore tout ça. Ouais. Alors. Dans un premier temps, je vais essayer de me rappeler de tout ça et puis après on verra. d'ailleurs, tu fais bien de parler de l'Ultimate. Alors pourquoi on reste sur l'Ultimate? Parce qu'on s'est posé la question tout à l'heure. Moi, c'est pour simplement garder la map dans un premier temps, hein, pour pas avoir se prendre la tête à la balancer sur un autre modpack. Et deuxième chose, c'est vrai que ce modpack regroupe tout ce qui est vraiment technologie avancée comme Gregtech, moi qui Oui, m'attire malheureusement. particulièrement. Il n'y a pas Et oui. énormément de modes magiques dessus. Mais ceci dit, une fois que comment dire, ce serveur, cette map sera bien avancée, voire même terminée, ou pas d'ailleurs, on verra. Selon l'évolution, on se mettra sur un autre serveur. De toute façon, l'Ultimate commence un peu à dater. Il est plus très à jour et du coup, bah, j'ai envie de voir un peu autre chose après. Hein. Voilà. Donc voilà, on a dit à peu près l'essentiel sur ce qu'on allait faire tout de suite. Jim donc va s'installer sur la zone qui est juste derrière ici. Dis-nous un peu ce que tu comptes faire d'ailleurs. Déjà, récolter du bois pour me faire un lit. Bah, Je pour suis en l'instant, mode survie. il n'y a pas beaucoup d'arbres, donc Oui, j'ai vu ça. pour Et l'instant par c'est là. en terraforming, hein. Bon, je rappelle que je fais pas ça en mode créatif, hein. Je fais ça réellement avec mes petites mains. Donc pour l'instant, ça ressemble pas à grand-chose, hein. C'est une grande plaine qui est même pas finie d'ailleurs. Fais attention de ne pas tomber parce que sinon tu vas te tuer. Donc On va éviter. on va aller spoiler un petit peu la suite, hein. J'ai quand même pas mal avancé dessus. Jusqu'à maintenant, vous avez dû voir lors de la première saison. Il y avait toute cette partie qui était terminée. Donc là, je me suis bien attaqué à la partie d'après. Hein, voilà.
Donc, tout ça, c'est tout nouveau, hein, c'est d'aujourd'hui même. Donc j'ai fait tous ces murs, toutes ces montagnes. Donc j'ai essayé de faire quelques petits dénivelés et tout ça. Donc ça me paraît plutôt cohérent et plutôt naturel. J'essaye de mettre d'être au maximum proche de la réalité, enfin de quelque chose de naturel, en fin de compte. Donc ça me semble plutôt pas mal. Vous voyez, j'ai marqué les zones au sol. Et donc toute cette partie-là, donc je reviens, hop, ça sera la partie consacrée au vidage plutôt classique, hein, si on peut dire, où Jim est spécialiste en la matière, et il est même spécialiste à nous faire de belles tours de magie. Et il m'en a déjà parlé d'ailleurs. Tour de magie. Bah. Hop, bonjour. Voilà. Petite pause, vite fait, bien fait. Qu'est-ce qu'on évidemment sera un petit peu plus vivant, puisque pour l'instant, comme vous pouvez le constater, c'est que de l'herbe. Donc je vais essayer de faire des rivières, des petits lacs, surtout beaucoup d'arbres. Hein, faut que le coin soit sauvage. Des animaux. Donc évidemment, je referai pas des cavernes. Hein. Je vais pas m'amuser à repeupler le sous-sol. Hein. Tant pis pour ça, Jim ira creuser de l'autre côté de la muraille et se prendre ses ressources. C'est ça qui était prévu. Voilà. L'idée, en fait, si je me trompe pas, Jim, c'est de faire un début de partie plutôt classique, hein, pas profiter tout de suite de mes ressources. Non, on va éviter. Mais par contre, j'aimerais bien profiter de ta bouffe. Ah oui, ça doit être faisable. Où est-ce que t'es? Je monte une tour. Ah oui, ça va, les escaliers sont pas trop fatigants. Bah, pour l'instant, ça va. Surtout qu'il faut j'évite de tomber. Il n'y a Y a pas pas des grand danger. garde-fous partout. Ouais. Alors, hop. Oh bah dis donc, elle est haute. Ah mais attends, je capte pas ici. On est trop haut. Alors, des pommes, ça te va? Oh oui, c'est Je pas te donne difficile. un petit stack de pommes. Enfin, je peux t'en Tu. donner une dizaine, hein, si tu veux, voire même une cinquantaine. Wow, non, tu peux comme Dans un tu premier veux, temps, je peu pense que importe. ça te suffira. Je suis à côté de ton portail du Nether. Donc voilà, bon, on va faire un petit tour après de la map, histoire que je vous montre un petit peu l'évolution, parce que j'ai beaucoup, beaucoup bossé depuis le dernier épisode. Faut que je désactive le coin fortune. Hop. Voilà. Merci. Bon app. Merci. Donc on va faire un petit tour de la map ensemble. Vous voyez, j'ai commencé à placer les fondations un petit peu des futurs tours. J'ai enfin fini de faire le tour de la zone, hein, le mur d'extérieur. Il me reste plus qu'à creuser en fait toutes les parties qui restent à l'intérieur. Hein. Vous voyez en face là, j'ai toutes les machines qui sont en place. Il me reste plus qu'à creuser tout ça en fait. Hein. Partout où il y a de l'eau entre le mur et la zone en fait. Bon, c'est pas le plus difficile des travaux à accomplir, mais je me priorise avant tout sur la zone de Jim pour qu'il puisse se lancer dedans. Donc ça sera la priorité, mais ce qu'on va faire ce soir ensemble, on va commencer à structurer un peu la zone. On va se retrouver aussi rapidement sur des screenshots pour vous imaginer un petit peu ce que je souhaite faire. Voilà. Et bien d'ailleurs, on va faire ça tout de suite. Donc je vais couper le jeu assez rapidement et puis on se retrouve tout de suite sur un screenshot. Bon. Bon, du coup, Bibix va rester un petit peu avec moi le temps que j'explore et il va m'aider parce que lui, il a tout ça qu'il faut, le stuff et tout, l'armure, Hop il là. vole en plus. Il pourra venir me rattraper si jamais je tombe. Non. Non, même pas. Oh là, quelle chance. Tu passes à travers. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Attends, on peut se pousser normalement. Hein. Non, on peut pas. Y a, Ah tant que le non. PV. Ah, bah si, il y a le PVP.
Bon, je vais pas trop jouer avec toi parce que avec ça que t'as dans les mains là, j'ai vu la Zoom, tronçonneuse. zoom. Ça peut faire Donc mal. alors, pour aller miner, je pourrais aller par où? Eh bien, Et écoute, parce que... je vais te faire une petite porte. Attends, je vais poser ma table de craft. Ouh là là. Alors, Ouh j'ai là une... là là. Ouais, on va la poser là. Hop là. Est toute belle. D'ailleurs, attends, je vais enlever le coin aux fortunes, parce que du coup, ça m'évitera de te piquer les objets. Ah, ce fameux objet. Allez, excellent celui-là pour mener. Alors, je vais te faire une petite porte. Est-ce que, par exemple, là dans Ça le risque coin, pas est-ce que d'inonder ça... toute la vallée là? Non, justement, normalement, on est en dessous, hein, donc tu peux y aller. Voilà. Je te laisse ça, ça sert à rien que je te fasse plus. Bon, en fait, j'ai pas assez de bois pour me faire une pioche. Ah bah attends, ça je vais te donner un petit stack de bois vu que t'as pas d'arbre. Ouais, juste une pioche. Juste une planche. Parce que j'en ai déjà trois, deux. Du coup, il m'en faut une troisième. Bah 3. Allez, 5 bois. C'est Oh, comme peu si t'avais importe. Le bois, c'est du coupé un bois. arbre. C'est pas ça qui veut. Ouais, je peux Hop, te donner un nep. stack hein, si tu préfères, mais c'était pour être un peu plus réaliste. Bon, je vais te les prendre plus tard, pas tout de suite. Tiens, et puis vu que t'as coupé un arbre, Ah, je peux pas vas-y. glisser. Ah non, ça Et n'existe pas ah non, dans ça la n'existe pas culture. sur cette version-là. Ah, je vais avoir du mal avec ça. Je t'ai filé quelques saplings. Ah oui, 4, merci. Ouais, Bah histoire, tiens, je vais les planter. t'as coupé un arbre. Alors. Ouais, il y avait la farm Harvester tout à l'heure, je t'ai piqué un arbre et puis il y a peut-être des saplings que j'ai ramassés sans faire exprès. Je te les rendrai si c'est ça qui te manque. Écoute, je regarde. Ouais, j'en ai qu'un million, hein, donc. Ah oui, ça risque d'être compliqué. Donc voilà, bah écoute, tu vas partir à l'attaque de la mine. Tu vas aller farmer un petit peu des ressources, je présume. Oh, c'est quoi ça? Je sais même pas c'est quoi. Il y a des blocs. Il va falloir que je me rappelle c'est quoi. Ah ouais, je vais faire des allers-retours parce que ma table de craft elle est là-bas. Il va falloir que je me fasse un four pour me faire du charbon, pour me faire des torches. Alors, petite précision pour tes auditeurs, sur mon serveur, j'ai désactivé les monstres. Ah oui, Alors, c'est vrai. J'ai oublié de le préciser, ça et aussi. oui. Je vais expliquer tout simplement pourquoi. Nous sommes dans une zone à slim. Et honnêtement, c'est invivable. Je ne pouvais pas passer 1 heure de jeu sans qu'il y ait 30 slim au mètre carré. Donc ça m'a gonflé. J'ai pas trouvé d'autres moyens. Alors on m'a conseillé de mettre des dalles au sol. Donc j'aime bien avoir de la verdure quand même. Si je peux mettre des dalles partout, ça va être moche. Et voilà. Donc du coup, le meilleur moyen pour enlever les slim, bah, c'est d'enlever les créatures carrément. Bon, il y en a qui me diront, c'est cheaté et tout, mais bon, quand on a une nano-armure et une tronçonneuse, ça va très très vite à les tuer, donc je vois pas trop l'utilité d'en avoir en fait. Voilà, c'était la petite parenthèse, excuse-moi. Oui, bah non, mais t'as bien fait de le préciser parce que j'avais carrément oublié aussi. Du coup, j'aurais pas besoin de me faire de lit ni de d'épée. C'est ça. Alors, je me fais le strip minimum, une pioche et des torches. Oh, ça mine pas bien vite, hein. Oh bah, on fait J'ai avec pas un ça qu'on fouet. a. J'ai pas un fouet sur moi, Oula. là. Ah, tu vas peut-être tomber dans... Ah non, non, t'es bien loin, Ah, quand même. c'est quoi ça? Qu'est-ce que t'as trouvé? Non, ton portail gun, j'avais oublié qu'il y avait ça. Ouais. Oh, si j'avance, ça va me faire mal là. Aïe, oui. J'avais oublié. Ah, je préfère le quartz comme il est maintenant. Ça, c'est du rubis, je crois. Je peux pas le miner encore. Bon, j'espère que t'as des caves quand même. Ah, on peut voir comment on fait pour agrandir la map. Je sais plus, c'est là le X. plus.
Ouais, mais j'ai un peu modifié. Attends, X peut-être. Ah, exact. Je vois qu'il y a un gros trou par là. C'est, ça doit être. Oui, c'est juste derrière ta ferme à abeilles. Alors, Ah, attends. c'est le musée des abeilles qui est en cours de construction. Donc c'est l'espèce de l'octogone ou je sais pas quoi. C'est combien de faces ça? Ouais, bon, je sais pas. Non, c'est pas Ouais, une ça face. ressemble Oups là, je vais devoir faire un petit AFK. J'ai mon petit qui se réveille. D'accord, bah, tout de suite. Bon, de toute façon, il n'y a rien de passionnant, je mine. Ok. Oh, je fais une petite coupure, le temps de miner, de trouver un truc intéressant, et je reprends aussitôt. À tout de suite. Nous revoici à la couche 5. Je crois que c'est de l'iridium, ça. Bon, on verra bien. Alors, je vais faire une petite mine optimisée de ce côté-là, à l'opposé du cercle, qui représente la muraille et à l'intérieur. Alors, bon, l'iridium, je peux pas le casser comme ça. Si c'en est, bon, c'est pas de l'alu en tout cas. Ouais. Va partir par là. Alors je vais la commencer avec vous, la mine optimisée. Pour ceux qui savent pas exactement qu'est-ce que c'est. C'est une mine optimisée quoi, pour miner un maximum de ressources. Alors, normalement, ça commence. On creuse. Bah, là, je vais faire un tunnel de 3 par 3. Pour commencer. Et on va se faire d'autres couloirs. Évidemment, s'il y a plein de blocs que je peux pas miner, ça va être un peu difficile. Je sais même pas c'est quoi ça. Heureusement que j'ai assez de bois pour. On va mettre là. C'est du salpêtre? Non, c'est jaune de salpêtre. Non, c'est blanc même. Je confonds avec le sulfure. Alors. Oh, je pense. Trois. C'était tac. C'est X Xidio. Alors, c'est des couloirs comme ça. Le but, c'est que les diamants, bon, généralement, ils sont par deux. Avec un bloc en diagonale, horizontal, vertical un peu plus rare. Le fait de miner comme ça veut dire qu'on aura une vue sur les blocs de gauche et de droite, au-dessus et en bas. Ceux du milieu, on ne les verra pas, mais il y a de fortes chances que si on trouve un minerai comme vous voyez là, il risque peut-être d'en avoir d'autres derrière. Bon, là non.
Mais on a de la chance. Ah bah du fer, bah, de toute façon il m'en fallait, parce que j'ai pas de fer dehors, du tout encore. C'est pas évident qu'on peut miner les blocs. Un bloc de fer, c'est triste. Rebouche un peu. Donc, comme vous voyez, ces blocs-là, on les verra de l'autre côté. Pas facile. Problème, c'est qu'il y a énormément de minerais or en plus du fer et de tout ça. C'est quoi ça? Encore un bloc. Ah, c'est vrai que j'ai pas de pelle. Alors, ça laisse très peu de place pour les minerais de base. Oh, on va laisser ça, c'est pas perdu. De la terre. Ah, par là-bas, il y a des trucs, on peut peut-être aller de l'autre côté. Histoire de cramer dans la lave. Non, bon, enfin, on va éviter surtout. Mais une petite grotte, ce serait pas mal. Ça évitera de creuser. C'est du charbon? Bon, nickel. On va le prendre. Ah bah du fer. Nickel. Pouvoir me faire une pioche en fer déjà. Et si j'ai assez de charbon, je peux peut-être pouvoir emprunter les machines à Bubix pour me faire la nano. Bon, il y a de la lave.
bien voulu monter par-dessus. Lui faire. Voyons voir. Ah, ça a l'air d'être juste un petit puits. Sais pas si j'ai eu le temps de. En tout cas, c'est clair. Peut y arriver. Et là, ça donne quoi? On va prendre le fer avant. Bon, on reviendra plus tard. Je vais aller récupérer le fer. Après, il y avait du saphir et du rubis. Et du coup, on va se faire des outils en saphir, en rubis. Non, c'est pas cela. Bah non, parce qu'il faut une pioche en fer, justement. Bah non, j'avais ma table de craft en bas. On va tout faire en bas. Aïe. Un petit four. Je crois qu'il y avait un autre truc. Bon. On va le mettre où ce four-là? Tu vois, moi ici. Quoique, attendez, il y a peut-être le. Macérateur. Un plate. Non, il y a 2 P ou 2 L, je sais plus. On récupère le charbon. Ah non, ça sert à rien. Bon, ME va tomber et hop. Ah, c'est là.
On va peut-être le trouver ici. Alors, bloc, mode, Applied. Applied énergétique. Ça marche pas, hein? Bon, dommage. Mode, Unplay énergétique. Il y a. Et la machine. Oh, c'est chiant ça. World Crown. Elle est tout en bas. Quarks. Évidemment, il nous faut du quartz. Bon, là pas. C'est pas grave. Quand on trouvera du quartz, on va pouvoir se faire le macérateur qui nous permet de mettre en poudre un minerai de fer. Ça nous permettra d'en avoir deux lingots de fer après. Bah sur ce, je vais vous laisser et puis sur la prochaine vidéo, je pense que je serai pas mal avancé. Je vais quand même essayer de me focaliser sur la construction plutôt que le minage. Bon là, c'est parce que c'était vraiment le premier épisode et bah il faut bien commencer par ça, comme vous allez voir. Puis bah comme tout le monde peut commencer. Et du coup, je pense qu'il y aura que sur cet premier épisode que vous allez me voir miner et pas sur les autres. J'essaierai de vraiment me concentrer vraiment que sur la construction et je vous ferai voir par rapport aux mines ce que je fais. Ce sera plus simple et je découvrirai aussi les autres modes en même temps avec vous. Enfin. Bon, Ultimate, il est assez vieux, c'est vrai que on peut pas le redécouvrir, sauf pour ceux qui n'ont jamais testé. Mais il va falloir que je les redécouvre, parce que j'y ai joué avant. Quoi. Et entre-temps, je suis passé sur d'autres versions, et il y a eu énormément de changements. Et il va falloir que je me réhabitue à l'Ultimate. Alors je vous dis à un prochain épisode et... A plus!